Hey, Ralph. Bon après-midi, monsieur. Vraiment? Je t'ai dit à maintes reprises de laisser les commodités, Ralph. Tu sais, Tony, nous sommes peut-être bouddhistes, mais ici au travail, tu es mon supérieur. S'il te plaît, arrête ça. Excuse-moi. Allô, bébé? Croire à quoi? Quel genre de surprise? Ok, au revoir. Mec, tu penses à ce que je pense? Quoi? Je pense qu'elle est enceinte. Attends, es-tu sérieux? Oh mon Dieu, je pense qu'elle est enceinte. J'ai attendu pendant 6 ans pour avoir ce genre de nouvelles. Oh mon Dieu, ça s'est produit maintenant! C'est vraiment une bonne nouvelle! Ouais! C'est une bonne nouvelle, je suis très content pour toi. En fait, merci, mes félicitations d'avance. Merci beaucoup. je peux pas y croire. C'est une bonne nouvelle. Elle est enceinte. Es-tu sûr que nous ne devons pas arroser quelque chose maintenant? Alors... Éclatons... Ah, mec! Éclatons quelques bouteilles! Je te le dis! Ça c'est bien, ça c'est bien. Que c'est merci, bien! Merci, mon Dieu. Hey, comment tu vas? Bien, monsieur. Bienvenue, monsieur. Merci. Ta journée a bien, été? Monsieur. Ta journée va bien? Bienvenue, monsieur. Tu vas bien? Oui, monsieur. Hey, baby. Ooh. Bienvenue, chérie. Merci, ça sent très bon. Qu'est-ce qu'on a? On a un festin ou quoi? Eh bien, bébé, quoi? Je voulais annoncer cette nouvelle secrète autour d'un dîner exquis. Dis-moi, c'est quoi la bonne nouvelle? Parce que j'ai dû conduire comme Tom Cruise pour arriver ici au plus vite. Garde ton mal en patience, bébé. Tu dois te rafraîchir d'abord. Allez, bébé. Écoute, en ce moment... Je suis trop impatient, tu dois me dire ce que c'est. Ça ne marche pas comme ça. Oh. Tu dois te rafraîchir, descendre avant que la nourriture ne se refroidisse. C'est parti. C'est parti. Attends, tu me diras quand je reviens. Bien sûr, pendant le dîner. D'accord, je vais me rafraîchir. Oh oui, rafraîchis-toi pendant que je dresse la table. D'accord, et ça sent très bon. Je sais, je dresse la table. D'accord. Mouah. T'as apprêté du champagne? Ouais. C'est bien. Je vais l'ouvrir. Oh, ouais. Ok. Je peux pas attendre. Non. Tu vas te faire mal. Donne-le-moi, je vais l'ouvrir. Non, bébé. Sois pas têtu, mon cœur. Et c'est parti. Quel moment. J'ai tellement hâte. Je peux plus attendre. À la nôtre. À la nôtre. Prions. Père, bénis ce repas au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon amour, ce repas est délicieux. Merci. C'est pour toi.
Mon amour, t'étais tellement si excitée au téléphone. Dis-moi ce que c'est, s'il te plaît. Tu as raison. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Es-tu sûr que t'es prêt? Bien sûr, je suis prêt. Pour la grande nouvelle? Bien sûr que si, allez. D'accord, mon amour. Je suis sûre que tu as remarqué que, depuis quelques mois maintenant, je ne suis plus moi-même. Oh oui, je l'ai remarqué. Ouais, c'est ça. D'accord, chérie. J'ai été comme ça parce que... il y a quelque chose que je voulais tellement. Et je n'ai pas pu l'obtenir. Mais maintenant, tu es là. Bien sûr que je l'ai. Oh, je suis tellement heureux, bébé. Je suis heureuse, bébé. Je suis excitée. Je ne sais pas comment le décrire. Je ne peux pas croire que finalement, ils ont choisi mon livre. De quoi est-ce que tu parles, bébé? Ok, chérie. La société de production à Hollywood a acheté les droits de mon roman Inside Marriage. N'est-ce pas incroyable? Et voilà. N'est-ce pas énorme? Je veux dire, peux-tu y croire? C'est magnifique. Hollywood, la compagnie Hollywood. Alors, c'était ça la surprise? Eh bien, ouais. C'est énorme, n'est-ce pas? Bébé, tu vas bien? Ouais, je vais bien, c'est juste que... C'est comme si j'ai sommeil. La journée a été très chargée, alors... Je vais juste monter à l'étage, me coucher. Mais tu n'as pas fini ton repas. Je suis plein, c'est ok. Ai-je dit quelque chose de mal? Je suis désolée. Je suis désolée de ne pas être la femme que tu voulais. J'aurais souhaité magiquement te donner des enfants. Mais je ne peux pas. Et j'espère que tu ne me détestes pas pour ça.
déteste, maman. Il ne te déteste pas. T'es sa femme. Maman, c'est ça le problème. Je ne veux juste pas être sa femme. Je veux être la mère de ses enfants. Et tu le seras, mais au bon moment. Quel est le bon moment, maman? Ça fait 6 ans. 6 années solides. Et ces années sans enfant, mon mari s'éloigne de moi. Ce n'est pas vrai. Je connais très bien Tony. Il n'y a aucun moyen que Tony puisse te blâmer de ne pas lui donner d'enfant. Aucun moyen. Il ne me le dit peut-être pas en face, maman. Mais je sais qu'il a le cœur brisé. Il fallait voir le regard qu'il m'a lancé hier. J'aimerais pouvoir l'oublier rapidement. Comment est-ce qu'il t'a regardé? Dans ses yeux, j'ai vu du froid. Ses lèvres retenues brisèrent le Christ. Et son cœur brisé s'arrêta un instant sur comment il était déçu par moi. On dirait une désespérée. Mais devine quoi, tout ce que tu racontes est le fruit de ton imagination. Tony sait que c'est pas ton pouvoir de mettre au monde un enfant. Alors, arrête de t'inquiéter et viens faire un câlin à ta mère. Viens par là. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, d'accord? Merci, maman. Je t'en prie. Je peux en effet voir les enfants courir de partout. C'est ce qui devrait être dans ton imagination et non, Tony. En fait, tu dois être positive, d'accord? Merci d'être venue. Tony, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu ne prends jamais le déjeuner avant moi. Et aujourd'hui, tu déjeunes avant moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quitté plus tôt. Pourquoi? Tu es le directeur financier de cette entreprise. En fait, tu peux venir au travail quand tu veux. Tu n'as pas à te mettre la pression. J'essayais d'éviter Sophie. Je ne voulais pas qu'elle remarque que j'étais en convexie à propos de la nuit dernière. Je comprends ce que tu ressens. Ce qui me tue, c'est que... elle s'en fiche du fait qu'on s'est mariés depuis 6 ans sans enfant. Ce qui l'intéresse, c'est son travail, c'est tout. Il semble qu'elle soit complètement inconsciente de sa situation. Oh non, Tony. Ne parle pas ainsi. Ah, je sais que Sophie essaye d'être forte pour vous deux. Allez, mec, c'est pas le moment d'être passionné. Maintenant, écoute-moi, Tony. Après tout, c'est aussi mon ami. Mais ici, je ne prends pas de parti. Sophie est une femme. Si quelqu'un devrait être affecté par ça, je pense que ce serait elle. Je veux juste avoir mon propre enfant. Est-ce que c'est trop demandé? Hein? Laisse-moi juste finir mon assiette.
Monsieur, bonjour. Avez-vous besoin d'aide? Merci de vous en soucier, mais je suis sur le point d'appeler mon mécanicien. Le mécanicien? Ah, à cet endroit, il y a du trafic sur l'autoroute, ça lui prendrait beaucoup de temps pour arriver ici. Laissez-moi vérifier. Avez-vous quelque chose comme une clé ou n'importe quoi pour que je jette un coup d'œil? Je pense que c'est dans la malle. Vérifiez. Ok, d'accord, je vais vérifier. La clé ou n'importe quoi. Samuel! Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? S'il te plaît, allons-y. Nous devons d'abord aider notre ami Samuel. Hein? Mais papa, nous devons partir maintenant. Papa, nous devons vite partir, sinon je vais rater le prochain masque de pyjama. Samuel, on ne peut pas abandonner un ami pour les masques de pyjama. Nous devons aider un ami. Samuel, écoute, je te promets qu'à ton prochain anniversaire, je t'emmènerai dans un endroit sympa. Samuel, retourne dans la voiture, joue avec ton cheval, je reviens. Samuel, papa, Samuel, ça c'est mon garçon. Samuel, Sam, ça c'est mon garçon. Vous savez, quelquefois, les enfants peuvent être drôles. Ouais, c'est ainsi qu'ils sont. Vous devez juste être patient et calme. Ouais. En avez-vous? Un fils ou... Non, pas encore. Vous savez, sans eux, vous n'êtes pas complet. Vous avez besoin d'eux à la maison pour jouer avec eux partout, dans le salon, dans la chambre, un peu de partout. Ça viendra, je vous comprends. Permettez-moi juste de regarder le problème de votre voiture. Vérifiez. Oui, d'accord, je vais faire ça tout de suite. Tu es rentrée? Sophie. Es-tu ivre? Laisse-moi tranquille. Tony, tu n'as jamais été ivre auparavant. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu rentrée à la maison comme ça? Eh ben, je suis malheureux, tu ne le vois pas? Je ne serais pas surpris si tu ne voyais pas. Tout ce qui t'intéresse est ta stupide boîte. Non. Ne dis pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît, ce n'est pas vrai. On n'a pas d'enfant. Tu t'en fiches. La seule chose qui compte pour toi, c'est ton roman. Mon amour, ne dis pas ça. S'il te plaît, ne dis pas ça. Tu sais que je veux des enfants autant que toi. Je ne veux juste... va laisser la frustration me briser comme elle te le fait en ce moment. Vas-tu me laisser tranquille? Laisse-moi tranquille. Tony,
Je ne peux pas croire que tu t'es saoulée pour pouvoir me dire en face que je suis la raison pour laquelle nous n'avons pas d'enfants. J'ai dit cela? Non, j'ai jamais dit ça. Pas besoin de le dire. Les actions parlent plus fort. C'est écrit partout sur toi. Ouais, tu peux partir. Tu peux partir, c'est tout ce que tu sais faire. C'est tout ce que tu sais. Qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire pour que tu me bénisses avec un enfant? Six ans. J'ai attendu pendant six bonnes années. J'ai attendu ton miracle. Combien de temps devrais-je attendre encore? Je ne peux même pas lui en vouloir d'être contrarié. Il veut vraiment avoir un enfant. Mon Dieu, s'il te plaît. Si tu m'écoutes, s'il te plaît, Seigneur. Fais-moi un petit signe. Montre-moi un signe, s'il te plaît. Veux-tu parler d'hier? Je suis en retard. Tu es en avance. Et c'est samedi. J'ai du boulot. Tu ne veux peut-être pas en parler, mais moi si. De quoi va-t-on parler? Écoute, je veux plus qu'on se dispute. S'il te plaît. Je voulais juste dire que je suis désolée. De quoi es-tu désolée, Sophie? Hein? Dis-moi, de quoi es-tu désolée? C'est une tasse spéciale pour ma reine. Ça te fera te sentir mieux, prends-la. Allez, tu sais que je l'ai faite pour toi. Voilà.
Maman. Ouais. Ce n'est pas mon corps qui est malade. C'est mon âme. Si ton thé ne peut guérir mon âme, alors c'est inutile. Je suppose qu'il ne voulait vraiment pas dire ce qu'il a dit. Mais il l'a fait, maman. Il l'a fait. Tony, que je connais, n'a jamais été ivre auparavant. Mais la nuit dernière, il s'est saoulé pour pouvoir me dire ce qu'il pensait sans remords. Je vais lui parler. Non, maman, s'il te plaît, ne le fais pas. Pourquoi pas? Je ne veux pas qu'il pense que c'est un gros problème. Mais c'est un gros problème. Je veux dire, je ne comprends pas. S'il pense que lorsqu'il est ivre, il peut te parler n'importe comment ou alors te traiter n'importe comment juste parce que tu ne lui as pas encore donné d'enfant, alors là, il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Je vais lui parler. On va trouver une solution. Je suis juste reconnaissante que sa mère ait déménagé de façon permanente pour le Canada. Cette femme me rendait folle. Ma chérie, tu ne devrais jamais laisser personne te rabaisser. D'accord? Sois juste forte et sache que je suis ta mère et je te soutiendrai toujours. S'il y a un problème, passe-moi juste un coup de fil, d'accord? Merci, maman. Tu es l'une des raisons pour lesquelles je reste forte. Je t'aime. Et je t'aime encore plus. Maintenant, bois ce thé pour moi. Ça va te faire du bien. D'accord. Où est-ce que tu vas? Hein? N'importe où, mais pas ici. Tony, je vais t'accorder un atterrissage en douceur. Attends. De quoi est-ce que tu parles? Hein? De quoi est-ce que tu parles? Tony, regarde-toi. Tu es malheureux. Je déteste te voir comme ça. J'ai l'impression que c'est de ma faute. Alors je vais partir et te donner de l'espace pour respirer. Parce que je ne veux pas que tu me détestes. Non, non. S'il te plaît, laisse-moi partir. Sophie, je pourrais jamais te détester. Je peux pas te détester. Écoute, je t'aime comme si mon monde en dépendait. Hein? Je t'aime. Je sais que j'ai pas été le meilleur mari. Le meilleur mari, mais écoute, tout ça va changer, Sophie. Tout ça va changer. Je t'en prie, ne pars pas. Es-tu encore ivre? Non. Je suis pas ivre. C'est juste que il se passe certaines choses en moi. Et je viens de réaliser que tu es ma vie. Sophie, crois-moi, je t'aime vraiment. Enfant ou pas enfant, je veux pas te perdre. Je t'aime et cet amour ne va pas s'éteindre. S'il te plaît, ne pars pas. Ne pars pas. Je t'aime. Docteur, je crois fermement que quelque chose ne va pas avec moi. Je ne suis pas à l'aise. Et quels sont vos symptômes? Faites-moi part avant que nous ne procédions au contrôle. Ces derniers temps, je me sens fiévreuse. Et j'ai eu la pire forme de nausée. J'ai faim tout le temps, je veux dire, je mange beaucoup. Et
J'ai pris tellement de poids en si peu de temps. Mes articulations sont très, très, très faibles. Et je déteste l'odeur de tout. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? J'espère que ce n'est pas le cancer. Ça ne l'est pas. Dieu merci. Ça ne l'est pas. Vous êtes enceinte. Quoi? Oui. Je n'ai pas besoin d'un test pour le confirmer. Vous devriez en être heureuse. Pourquoi ce visage? Docteur, vous ne comprenez pas. Je ne suis pas enceinte. Je sais, je souffre peut-être de quelque chose, mais je ne suis pas enceinte. Je suis mariée depuis 6 ans sans enfant, donc je ne suis pas enceinte. Ok. Et c'était quand la dernière fois que vous avez vu vos règles? Ça, c'était... Ma chère, vous êtes enceinte. Je vais juste vous faire quelques tests pour vous le prouver. Félicitations, vous êtes enceinte. Où est mon mari? Parle-moi, où est l'amour de ma vie? Où est-il? Madame, Hogan n'est pas rentré. Il m'a dit qu'il rentrerait tôt aujourd'hui. Je n'ai même pas remarqué que sa voiture n'était pas dehors. Ok. Ok, c'est parfait. Rassurez-vous que le comptable ait une assise avec moi dans mon bureau immédiatement. D'accord, monsieur. Merci. Mon chéri! Pourquoi toute cette excitation? Que se passe-t-il? Quoi? Chéri, oui. Je l'ai fait. Je veux dire... Nous l'avons fait. Attends, je suis un peu perdue là. De quoi est-ce que tu parles? Oh, bébé. Bébé, parle-moi. Bébé. Oui. Je suis enceinte. Non, non, je peux pas croire à ça. T'es enceinte? T'es enceinte? Oui. T'es enceinte? Oui. Waouh! Oh, mon Dieu! Nous l'avons réellement fait? Oui, nous l'avons Allez, fait. Allez, approche. Donc, il y a un bébé là-dedans. Ouais. Le bébé en forme. Je t'aime, mon cœur. Oh, je suis dans la joie. Moi de même. Je suis l'homme le plus heureux. Moi de même. Un toast à la spéciale. Et magnifique épouse, la mère de mon enfant qui va naître. Oh. Santé. Santé. À la santé. À la santé, santé. Maman. C'est délicieux. Vraiment bon.
Ma chérie. T'es vraiment radieuse. Merci, maman. Tu sais, je n'arrive pas à croire que c'est réel. Tu sais, je ne peux pas croire que j'ai eu enfin tout. Je veux dire, je n'arrive pas à croire que finalement j'ai tout. Mais je te l'avais dit. Ouais. Je te l'avais dit. Tu l'as fait, mais c'était tellement difficile de croire que je pourrais tout avoir. Je croyais que heureux pour toujours n'existait que dans les contes de fées. Mais en ce moment, je vis dans mon propre conte de fées. J'ai enfin mon... le bonheur jusqu'à la fin du temps. Tu mérites, chérie. Tu mérites tout ce que tu as. Merci, maman. Je t'en prie. Ah, t'es ravissante. Merci. Tu en veux? Non, 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 non. Je garde ma ligne. Oh, s'il te plaît, maman. Oh, mon Dieu. Je suis heureuse pour toi. Merci. Je t'en prie. Tu attends quelqu'un? Non, et toi? Non. Qui est-ce? C'est des femmes, elles sont deux. Fais-les entrer. Bébé! Bonjour! Comment allez-vous? Ok, pouvons-nous vous aider, très chère dame? Vous vous êtes perdue? Nous sommes-nous déjà rencontrés? Bébé, tu les connais? Je veux dire, que se passe-t-il ici? Jeune fille? Votre mari a mis enceinte ma fille. Et il a essayé de renier la grossesse. Lorsqu'elle lui a dit, mais nous n'allons pas admettre ces absurdités. Ma fille et moi allons aménager ici. Et elle sera traitée comme une mère qui attend un enfant. Sinon, l'enfer se déchaînera. Madame. Je pense qu'il y a une erreur quelque part. Vous confondez mon mari avec quelqu'un d'autre, visiblement. Non, mais, bébé, dis quelque chose. Dis-leur qu'elle se trompe. Dis quelque chose. Et si vous voulez, quand l'enfant naîtra, on pourra faire un test ADN. Mais pour l'instant, nous sommes venus pour rester. Bébé, dis-moi que ce n'est pas vrai. Oh mon Dieu. Non. Sophie! Sophie! Bébé! Cette femme bébé. Semble être une femme de Hollywood. Bébé! Je serai à l'intérieur. Bébé! Je viens avec toi, maman. Hola! Hola! Par ici! Viens là! Sophie! Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il s'est évanoui. Elle s'est évanouie? C'est la journée des évanouissements aujourd'hui. Hey! Quoi? Hola! Mais que se passe-t-il dans cette maison? Vous êtes encore là? Vas-tu fermer cette sale gueule? Quel manque de discipline!
Si tu parles encore comme ça, ma mère, je vais couper ta langue et la donner au chien. Hé, hey, ma fille, laisse, ne t'occupe pas d'elle. Tu n'as aucune idée. Oh oui. À présent, va déposer ses bagages dans la plus grande chambre de cette maison. Hein? Madame, je travaille à la cuisine. Oh. Quoi? Quelle impolitesse! Non, mais tu t'imagines? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je porte ces bagages moi-même? Maman, allons à l'intérieur. Elle sait quoi faire. Oui, allons-y. Ce n'est qu'une petite impolie. C'est ça, allez-y. Ce n'est pas de votre faute. Hey! Hola! Le travail que tu es venu faire ici. Hey! J'espère que le Dieu qui est là-haut voit tout ça. Pourquoi encore, Rosta? Bébé? Bébé, dis-moi, tu vas bien? Oui. Oui, je vais bien. Dieu merci. Oh, ma tête. Désolé. Doucement. Mon amour. Oui. Ah, c'était un rêve, Dieu merci. J'ai eu le rêve le plus étrange de ma vie. Je veux dire, une fille étrange est venue chez nous, prétendant que tu l'es mise enceinte. C'était bizarre. Dieu merci, c'était un rêve. Bébé, c'était pas un rêve. Hein? Cette fille est ici. Hmm? Oui. Ce n'est pas un rêve. Non, ça ne l'est pas. Non, Sophie! La nouvelle chambre sera bientôt prête. La ménagère s'en occupe. Ma chérie, qui a dit que Dieu n'avait pas pour mission de faire des miracles? Nous sommes un témoignage vivant. Et juste le temps que les choses ont commencé à se détériorer. Et ce miracle arrive au bon moment. Pop! Pas si fort, maman. Aïe! Quelqu'un pourrait t'entendre. Ça m'est égal. Laisse-les parler, chérie. Et personne ne nous chassera de cette maison. Nous avons gagné le jackpot. Nous sommes là pour rester. S'il y a quelqu'un qui doit partir, c'est ce sac de macabre.
Vous êtes ivre. En quoi est-ce que ça vous regarde? Et puis, qui êtes-vous? Une fille qui est attirée par vous. Je dois partir. Je sais que vous n'avez pas envie de partir. Venez. Ne soyez pas timide. Allez. Vous êtes sûr de toujours vouloir rentrer? J'aime cette belle vie. Regarde ce que le diable voulait nous prendre. Maman, est-ce que tu peux arrêter de montrer que tout ce qui t'intéresse, c'est le profit? Ma chère, cela ne changera pas. Tu es enceinte de son enfant. Il doit t'épouser, ce n'est pas négociable. J'ai goûté à la belle vie. Et je ne voudrais pas retourner à la puanteur de la pauvreté. Pourtant, ton père m'a sauvée de ça. Ah, que son âme repose parfaitement en paix. Qui sait? Peut-être qu'actuellement, nous serions toujours en train de mener la même vie. Si tu n'avais pas dilapidé toute cette fortune dans l'achat des voitures chères, des vacances, des... Oh, arrête ça! Oses tu me blâmer pour ça? Juste arrête! Eva, je vais te parler à l'extérieur. Mon amour... Tu peux le dire aisément devant ma mère. Peux-tu sortir tout de suite?
Je ne suis plus à l'aise avec toi ici. J'apprécierais si tu aménageais dans l'une des chambres d'hôtes. Sophie, tu peux pas me demander ça. C'est notre chambre. Toi et moi. C'est ridicule. Je suis désolé pour tout ce qui est arrivé. Ton désolé n'arrangera rien. C'est soit tu pars ou je le fais. On n'en est pas arrivé là quand même. D'accord, d'accord, ok, ok. Je vais partir. Bien. Il aurait dû nous laisser la grande pièce. Ça aurait été mieux. Foutaise. Calme-toi, maman. Me calmer? Bientôt, toute cette maison sera la nôtre. Et tu pourras choisir n'importe quelle chambre que tu veux. Oh! Vraiment? Ouais. Bientôt, Tony sera amoureux de moi. Et tout ça, ce soir. Waouh! Je vois que tu joues bien tes cartes, ma chérie. Maman, cette histoire n'est pas un jeu pour moi. Je tiens vraiment à Tony. Je ne suis pas intéressée par sa richesse, mais par lui. Lui seul. Je m'en fiche, Eva. Tant que je ne retourne pas dans la pauvreté. La pauvreté est une condamnation à mort. Qui est-ce? Madame, c'est moi, oh, c'est Ola. Entre. Madame, bonjour. Je n'ai pas faim. Repars avec la nourriture. Madame, c'est Oga qui a demandé que je vous apporte la nourriture. Et j'ai dit que je n'avais pas faim. Désolée, madame. Madame Biko, mangez quelque chose. Hein? Monsieur me blâmera si vous ne mangez rien. Vous devez manger quelque chose. Peux-tu juste partir, s'il te plaît? Dehors. Oh, désolée, madame. Madame, essayez de manger quelque chose. Hein? Monsieur va me blâmer. Hein? Il dira que c'est de ma faute si vous n'avez pas mangé. Et si vous n'avez pas pris votre repas, Biko, prenez quelque chose, un petit. Désolée, madame. Reviens ici. Madame? Ma mère m'a appelé sur mon téléphone. Si elle appelle par téléphone fixe pour savoir ce qui se passe, ne lui dis rien du tout. Tu peux y aller. D'accord, madame. Hey. Mon amour, je t'ai fait le petit déjeuner. M'appelle pas ton amour. Je suis en retard. Mais tu peux au moins prendre quelques minutes pour manger. J'ai pris du temps pour le faire pour toi. Je l'ai dit, je suis en retard. C'est comme tu veux. Cette odeur délicieuse. Hey. J'ai fait le petit déjeuner.
Eva, tu plaisantes, n'est-ce pas? Toi et moi savons que tu as des véritables compétences culinaires. Mon. Uh-huh. Ok, tu as raison. C'est la ménagère qui a tout fait. Uh-huh. Je me suis approprié ses mérites. As-tu vu cette femme? L'autre femme? Oh. Non, pas du tout. Ah, ok. Elle se cache dans sa chambre. Et c'est très bien. Oh, très bien. Elle peut y rester pour l'éternité. Elle doit rester pour l'éternité. Je m'en fiche. Mais, maman, où vas-tu? Je vais à la salle de sport. Je dois perdre du poids pour avoir l'air très sexy. C'est bien pour toi, maman. Oui, je sais. Ok. Tu sais quoi? Quoi? Donne-moi quelques minutes. Comme ça, je finis rapidement mon repas. Je ne pense pas. Et après, pouvoir. Tu te déposes. Je sais, mais je ne pense pas pouvoir. Ce matin, j'ai trouvé ces clés. Waouh! Tu vois? Oh, c'est bien. D'accord. Je suis donc prête. Je finis mon repas. Couvre ça et partons. Maman. Allez, allons-y. Allons-y, je m'en vais. Attends-moi. Oh, allons-y. C'était ici. Je l'ai déposée ici. Où sont-elles? Ce sont les clés de ma voiture. Pardon? Excusez, pourquoi? Je t'ai posé une question. Comment oses-tu toucher aux clés de ma voiture? Cette maison appartient à mon mari. Et donc, tout ce qui se trouve dans cette maison m'appartient également. Es-tu folle? La maison de ton mari? Eh ben, dis-moi, où est ta bague? Non, montre-moi ta bague. As-tu une idée de comment j'ai travaillé pour chaque chose dans cette maison? Tu couches avec le mari d'une autre et tu n'as même pas honte. Et tu es là à vouloir prendre mes clés. Oh, allez, donne-les-moi. Arrête d'être dramatique. Je suis dramatique? Oui. Comme je l'ai dit, tu es sans gêne. Tu te pavanes fièrement chez moi comme l'idiote bon marché que tu es. Sans aucun remords. Donne-moi ces clés, maintenant. Je pense que tu n'es pas mieux que moi. Et donc, je n'ai aucun remords à avoir. Cette maison est désormais la mienne. Et bientôt, je vais te foutre... Ah! Tu m'as giflé. Ah! Maintenant, donne-moi ces clés. Donne-moi ces... Idiote. Idiote. Donc tu essaies de me dire que la fille avec qui tu as eu le coup d'un soir... Petite prostituée. Petite prostituée. Tu couches avec un homme?
Fezondo, ici. Maman, il vit ici. Je ne te comprends pas. Hein? Funke, Ma. Tu penses que je plaisante avec toi? Hein? Je t'ai demandé de m'amener chez le monsieur et tu dis qu'il vit ici. Je ne comprends pas. Tu veux m'amener au poste de police? Maman, je ne plaisante pas. Le monsieur, il vit ici. C'est sa maison. Et Léo? Et où Léo est? Andela Noidi. Hein? Tu veux dire que le jeune homme qui t'a mise enceinte a construit cette maison? Hey! Evite Kokabiamba. On vous go bégayé. Et Léo? Hey, Funke, ma fille. Hey, hein? Tu sais que je t'aime, non? Maman? Hmm? Je sais que tu me rends très fière. Hey, ma fille, j'espère ne pas t'avoir fait du mal. Hein? Hey, wow. Tu sais, le jour où je t'ai donné naissance, le ciel et la terre ont célébré ta naissance. Oui, après 2 heures, j'ai été obligée de me précipiter dehors. J'ai levé les yeux, tu sais ce que j'ai vu? Mm-hmm. J'ai vu le ciel qui s'éclaircissait et qui s'est ouvert. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu les anges acclamer, tous adorer, et louer le nom de Funke, et louer, adorer, et chanter ta gloire. Alors, c'est ton tour de prendre soin de moi. Hey! Maman, je... Hein? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je pensais que tu étais en colère contre moi. Pourquoi serais-je en colère contre toi? J'espère que je ne t'ai pas fait du mal. Je sais que tu me rendras fière. Je ne veux pas que quelque chose arrive à mon petit-fils. Hein? Hey! Adamo! Oya, allez, viens faire un câlin à ta mère. Fais-moi un câlin, Funke. Ma Funke. Maman, enfin. En fait, rentrons. Rentrons à la maison. Hein? Tu ne veux pas qu'on aille à l'intérieur? À l'intérieur? Qu'allons-nous faire à l'intérieur? Tes péchés sont pardonnés. Rentrons, Oya. Maman. Rentrons, Funke. Ah. Hey. Foufou. Maman. Foufou, tu veux que je te porte? Viens. Je ne veux pas que tu stresses. Allez, maman, arrête! Non. Maman, viens, arrête, tu peux marcher. Ma Funke. Ah! Funke, oh! Maman! Fais vite, non? Hein? Nous sommes en retard. Dépêche-toi. Ah. Que se passe-t-il encore? Hein? Pourquoi as-tu cet air tellement triste? Ton visage, tu n'as pas l'air heureuse. Hein? Tu n'es pas heureuse. Allons-y, tu peux le voir. Nous sommes... Maman, nous sommes en retard. Attends. Pourquoi attendre? Que se passe-t-il? Allons-y, non? Nous sommes en retard. Maman, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Qu'est-ce que c'est? L'homme qui m'a mise enceinte. Ah, qu'est-ce qui se passe avec l'homme qui t'a mise enceinte? Celui-là dont tu m'as montré, n'est-il pas celui qui t'a mise enceinte? Maman, c'est lui. Ou la maison que tu m'as montrée n'est pas la bonne? C'est aussi la bonne. Alors, quel est le souci maintenant? Maman, écoute juste. Ok, j'écoute. Je ne t'ai pas dit qu'il est déjà marié. Et c'est ça qui te rend triste. Hello. Ne t'inquiète pas, ma fille. Et qui t'a dit que c'est une abomination pour une fille célibataire d'épouser un homme marié? Hein? Tu n'es pas la première personne, ma fille. Hein? Ou as-tu oublié que tous les coups sont permis? Oh, tu ne dois pas te laisser dominer par tes émotions. C'est à toi de dominer le monde. Tu dois le prendre. Tu le récupères, ma fille. Allons-y, Néo. Allons-y maintenant. J'ai fermé notre porte. Tous les coups l'ont dit. C'est permis. Tout est permis. Tu ne dois pas t'inquiéter. On doit y aller. Que se passe-t-il? Je suis trop triste. Eva, est-ce que tu peux me lâcher? Hein? Tu ne m'as pas dit que tu avais une chienne dans ta maison. Tu as une chienne enragée. Mais tu as les droits au but. Ce n'est pas cette sorcière que tu appelles femme. Elle m'a frappée aujourd'hui et j'ai failli perdre mon bébé. J'ai même saigné.
Ça ne ressemble pas à Sophie. Bien. Vas-y, prends le parti de ta femme. Elle est ta femme et je ne suis rien. Écoute-moi bien. Ces larmes ne vont pas m'atteindre. Tu m'entends? Je ne vais pas tomber dans ton piège. Ma fille, dis la vérité. La chienne enragée doit quitter cette maison. Pour la sécurité de ma fille. Et pas ça, non. Ah, vraiment? Ouais. Wow. Seigneur. Quelle fantastique performance. Alors, que vas-tu faire, chère Marie? Sophie, je sais qu'elle mente. Et si elle disait vrai? Que vas-tu faire? Tu vas me renvoyer? Quoi? Non. Pourquoi je ferais ça? Tu es ma femme. Et elle, elle est quoi? Et elle, elle est quoi? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Est-ce que tu oses prendre son parti au lieu du mien? C'est ma femme! Comment oses-tu? J'ai dit que c'est ma femme! Enfin, c'est pas grave, ma chérie. Ça va! C'est ok. Ils n'ont aucune idée de qui je suis. Regarde. N'importe quoi, maman. Foutaise. C'est ok. Tout ira bien, d'accord? Écoute-moi, tout ira bien, ok? Nick, ma maison est en feu en ce moment. Je suis terrifié de rentrer chez moi. Est-ce que c'est si grave? Crois-moi sur parole. Ça aurait été facile de gérer tout ça si Sophie était de mon côté, mais elle ne me regarde même pas. Dans ce cas, allons à la maison. Laisse-moi essayer de lui parler. Vraiment, tu feras ça pour moi? Bien sûr, je ferai n'importe quoi. Oh, Ralph, j'apprécierais vraiment cela. Ok, frangin, sans souci. Dépêchons-nous. Au fait, es-tu sûr que le bébé est de toi? J'ai ce sentiment qu'il est à moi. Et après la naissance du bébé, on va faire un test d'ADN. Ok, parfait. Ouais, mais... Es-tu sûr que tu veux vraiment me suivre à la maison? Bien sûr, pourquoi te demandes-tu? Mec, ma maison est un champ de bataille en ce moment. Je pense que c'est mieux de lui parler au téléphone. Tony, penses-tu que moi, j'ai peur de ces femmes? Allez, démarre-moi cette voiture, on y va. Ok, cool. Hein? Si tu le dis... Allons-y. Ta maison est très paisible. Je suis vraiment surpris. Allez, trouve-moi quelque chose de fort. T'as vu de quoi je te parle? Reviens là. Sophie, qu'est-ce que tu fais? Sophie, arrête. Sophie, donne-moi ce balai. Donne-moi ce balai. Arrête, donne-moi ce balai. Tu me tues, viens là. Mais calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi les traiter avec ce bâton de vadrouille. S'il te plaît, calme-toi. Comment ose-t-elle entrer dans mon foyer conjugal et me manquer de respect ainsi? Je suis désolée. Ont-elles une bague sur leurs doigts? Ne l'ont pas. Hein? Petite sorcière. Ne l'ont pas. Voilà. Hé, Sophie, arrête. Laisse-moi. Je dois les traiter. Laisse-moi les traiter avec ce bâton de sa fille. Sophie, je t'en prie. Il faut arrêter ça.
Arrête ça, tu ne pourras rien faire. Ne dis rien. Je ne dis rien, tu ne pourras rien faire. Pour la arrête de Dieu. Tu restes là-bas et taisez-vous. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire à ma fille. Je ne peux rien faire. Espèce de sorcière. Je ne peux rien faire à ma fille. Arrête. Qu'est-ce que tu peux rien faire? Qu'est-ce que tu peux rien faire? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire à ma fille. Tu n'es qu'une sorcière. Allez dans votre chambre. Je ne peux rien faire. Sophie, tu vas nulle part. Tu restes là. Sophie, Sophie, ça suffit. Je ne peux rien faire. Ça suffit, Sophie. Non, 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 non. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Attends, attends, Sophie. Sophie, je ne peux rien faire. Arrête, arrête, arrête. Attends. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi me tenais-tu? J'aurais dû me permettre de leur enseigner une toute petite leçon comme ça. Sophie. C'est parce que je reste silencieuse? C'est bon. Pourquoi me manque-t-elle de respect comme ça? T'as assez fait pour aujourd'hui, maison. Ça suffit. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Tu sais que tu l'as fait toi-même, n'est-ce pas? C'était mon erreur et j'assume l'entière responsabilité. Tu m'as blessé, Tony. Tu m'as blessé d'une manière dont je ne pouvais jamais imaginer. Je suis désolé. J'étais ivre et j'ai fait une erreur. Pardonne-moi. Seulement si tu me promets que cette chercheuse d'or partira immédiatement quand l'enfant sera né. Bien sûr. Tu es ma femme, Sophie, et personne ne pourra jamais prendre ta place. Jamais. Puis-je retourner dans notre chambre? Qui est-ce? Vous voulez casser ce portail? C'est le vôtre? Ouvrez ce portail. Où est-ce que vous allez? Allez, laisse-nous passer. Madame, attendez. Où allez-vous? Pourquoi attendre? Es-tu malade? Madame, ne vois-tu pas que je porte des bagages? Ma patronne. Et puis d'ailleurs, où est-ce que vous avez tout ce bagage? Que se passe-t-il? Laisse-nous entrer, hein? Madame, patientez. Vous ne pouvez pas entrer, jeune madame. Laisse-nous entrer. Qu'est-ce qui se passe? Arde, des bagages, je ne sais pas. Que se passe-t-il ici? Je ne sais pas, ce sont ces femmes qui ont sujet ici comme des... Tais-toi. Que se passe-t-il ici? Il est évident que vous êtes au mauvais endroit, hein? S'il vous plaît, partez. Bonjour. Comment dois-je vous appeler? Madame Tantine? Peu importe, je ne suis pas au mauvais endroit. Ma fille, n'est-ce pas? Oui, maman, c'est ça. Entrons. Cet endroit est très beau. Mon Dieu, cet homme ici a mis ma fille enceinte. Jésus! Ce n'est pas Jésus. C'est cet homme ici présent qui a mis ma fille enceinte. Pas Jésus. Nous sommes venus rester. Je ne comprends pas la chose que vous venez de dire. Mais s'il vous plaît... Partez de chez moi. Madame, escortez. Ça jamais. Avant de parler d'escorter, Funke, maman, c'est ici la maison. C'est la maison. C'est lui qui t'a mis enceinte, n'est-ce pas? C'est lui. Pourquoi restes-tu là à ne rien dire? Peux-tu...
Mais elle est dehors, fait quelque chose. Nous sommes au bon endroit. Écoutez, monsieur. Et c'est cet homme qui m'a mise enceinte. Roga, vous avez mis ma fille enceinte. Vous c'est devez toi. Vous en occuper. Alors en dis-lui. C'est la vérité. Ma fille chérie, entre. Donne-moi ton sac. Maman. D'accord. Je vais porter. C'est lourd pour toi. Je suis responsable de sa grossesse. Elle nous est enceinte de moi. Tu lui répondras après. Non. Arrête-toi là-bas. Pardon? Je ne vais plus tolérer ça. Vous n'entrez pas chez moi. Votre maison. Vous n'entrez pas madame, chez moi. Ne vous mettez pas sur une auto chez mort. Nous sommes venus rester. Nous sommes venus rester. Madame, laisse-nous passer. Ma fougue. Maman. Entrons. Madame, comme vous pouvez le voir, nous restons. Et mon fils, prends ce sac à ta belle-mère. Fungé, ma petite chérie. Entrons. Oh mon Dieu, regarde maman, comment c'est beau par ici. Ma fille, regarde toutes ces décorations. Qu'est-ce que c'est? Maman, des voitures. Des voitures? Ces voitures sont jolies. Oui, c'est très beau. Regarde la maison. Waouh! Hey! Ma fille, elle est vraiment jolie. Oh. Tout est beau partout. Et oh, Funke, tu as vu ça? Est-ce que tu as vu? Maman, c'est très beau. Hey! Mon Dieu! Hey! Regarde la télévision. C'est grand comme toute notre communauté. Maman, arrête de me faire honte. Pourquoi agis-tu comme si tu n'avais jamais vu de télé avant? Je l'ai déjà vu, mais la nôtre est comme ça. Hey, regarde, on dirait le cheval. Je peux toucher. Maman, peut-être que ça fera. Touche. Dieu, regarde. Cette maison est belle. Hey, Yadima, Sophie. Elle s'enfuit, ou quoi? Hey, qu'est-ce que tu fous ici? Ta maison tu est jolie. Tu fous quoi ici? Hein? Elle porte ton enfant. Tony, pourquoi me cries-tu dessus? Je suis enceinte de toi. Oh, je suis censée être. Tu peux pas rester ici. Ma femme va perdre la tête si tu aménages ici. Ta femme va perdre la tête. Oh, Tony, tu ne te soucies pas de moi. Tu ne te soucies pas de mon état. Ce arrête, bébé. Arrête. Tony, mes émotions ne sont-elles pas importantes? Arrête pour ça. Toi Hé, hey, monsieur, une minute. Arrête de crier sur ma fille. Arrête de crier. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu lui disais pas d'arrêter quand tu couchais avec elle. Maintenant, tu lui dis d'arrêter. Arrêtez quoi? Tu parles à ton égal? Funke, écoute-moi. Tu ne vas pas aller nulle part. Tu ne lui disais pas d'arrêter quand tu prenais ton pied. Tu ne prenais pas plaisir. Tu jettes mon sac. Reprends mon sac et montons-nous plutôt. Où s'installer? Ne pleure pas. Ne pleure pas, ma fille. Je suis là pour toi. Tony, tu m'as dit que tu voulais ça? Vous voyez, je voulais un bébé de toi, mais je voulais pas que tu sois ma femme. Alors tu aurais dû coucher avec ta femme et pas moi. Je t'ai laissé me dévier. Maintenant, tu veux me tourner le dos. Mon Dieu. Tony. Funke, je ne savais pas que ma fille est encore vierge. Je ne savais pas que ma fille est encore... En fait, t'as pas besoin de pleurer. Tu l'as fait avec la bonne personne. Hein? Tu l'as fait avec... Ne pleure pas. Viens t'asseoir. Tu n'as pas à pleurer. Tu es ici chez toi. Allons-y. Pouvez-vous la fermer? Je ne vais pas me fermer-la. Je ne vais pas la fermer. Je ne me tais pas. Je ne me tairai pas. Viens la fermer. Hey, madame, vous allez bien? Et je passais et je vous ai entendu pleurer. Je suis venue voir ce qui ne va pas. Hein? Hey. On a fait mes valises. Je m'en vais. Non, madame, ce n'est pas arrivé à ce point, non? Hein? Je ne veux pas me répéter, Ola. Fais mes valises maintenant. Hey! Et qu'est-ce que je vais devenir si vous partez maintenant, madame? Hey!
sale menteuse! Quelle insolence! Vous pensez que vous pouvez venir de nulle part et profiter du fruit de mon travail? Pas question! Cela n'arrivera jamais! Ça ne marchera pas! Va-tu! Oui! Donc les deux, vous allez sortir hey de partie! Donc t'es rêve! Je vais te dire quelque chose! Si tu ne la fermes pas, je vais vous mettre ensemble et vous piler comme l'igname! Tu ne feras rien! Madame, maman, dis-leur! Elles ne savent pas de quoi nous sommes capables! Peux-tu imaginer? Elles ne savent pas de quoi ma mère est capable! Quand tu ne sais pas, parlez-vous, madame, ici! Et pourquoi pas? Ici, dans le maison de mon fils, je décide de qui reste ici ou de qui part. Et qui part? Ici, c'est chez moi, mon fils. Je décide qui reste et qui part. Regarde ce tonneau vide. Okay. Une page. Écoute, madame, pour ton information, elle a mis ma fille enceinte. Et quoi encore? Nous sommes venus rester. Oui. Funkena, ce n'est pas ça? Ma fille, et montre. Qu'est-ce qui prouve que cette grossesse... Oh. Réponds à cette question toi-même. Vas-y, réponds. Je te renvoie la question. Comment peux-tu en être sûre? Es-tu sûre que la sienne est de lui? C'est la prostitution. Ma fille, Funke. Est-ce que tu vois ça? Tu vois ça? La femme des lieux s'en va. Elle s'en va. Finalement. Tu as besoin de mon aide? Laisse-la. Dois-je venir t'aider? Non. Tu n'as pas besoin de l'aider. Écoute. Une est partie. Il en reste. Exactement. Vous êtes toutes les deux des idiotes. Tu es une idiote. Très idiote. Oui. Toutes les deux. C'est pour les deux idiotes. C'est pour les idiotes. C'est pour la racaille. Assieds-toi. Vous êtes des idiotes. Funke, viens t'asseoir. Des racailles comme ça. Vous êtes des véritables racailles. Des vrais idiotes. Des affamés. Hein? Sophie? Qu'est-ce que tu fais ici aussitôt? J'ai quitté ma maison hier soir. J'ai dormi chez mon ami. Je sors de là. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Maman, j'en ai terminé. J'en ai terminé avec ce mariage. Attends, arrête de traîner tes valises. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, je ne peux plus supporter ça. Tony m'a tellement blessée que je ne peux plus supporter. Alors, qu'est-ce qu'il a encore fait? Maman, deux femmes sont chez nous et prétendent tous les deux être enceintes de lui. Deux femmes, maman, deux. Quoi? Je ne peux plus supporter ça. Je ne peux plus supporter ça. Je ne peux plus le supporter. Saint Moïse. Tony n'aurait pas dû faire ça. Oh, ma chérie. Je sais exactement ce que tu ressens. Non, maman, tu ne le sais pas. Je n'ai jamais ressenti ça avant. J'ai l'impression que mon cœur s'arrache de ma poitrine. Je ne peux même pas respirer. Je ne me sens plus en vie, maman, plus du tout. S'il te plaît, Sophie, ne dis pas ça. Je sais que ton cœur est rempli de douleur, mais tu n'as pas à dire ça. Ce que Tony a fait, c'est totalement inacceptable. Et ta réaction est justifiée. Moi, ce que je te reproche, c'est que tu as commis une erreur en quittant ton foyer conjugal. Mon cœur ne pouvait plus le supporter, maman. Je pouvais plus. Sophie, nous devons les combattre. Nous ne devons pas les laisser prendre de dessus. Mon soi-disant mari ne vaut pas la peine qu'on se batte pour lui. T'occupe pas de lui. Je n'essaye pas de défendre Tony ici, mais je sais bien qu'il t'aime. Qu'il m'aime? Maman, s'il m'aimait, il ne m'aurait pas blessée ainsi.
Mais tu ne peux pas laisser ces prostituées s'emparer de ta maison. Tu dois te battre. Tu sais quoi? Nous allons aller là-bas et créer un désordre énorme. Et nous allons nous assurer que ces femmes aillent loin de vous. Mais maman... Il n'y a pas de mais. En tant que ta mère, je vais t'accompagner. Nous mènerons cette bataille et nous gagnerons. D'accord? Non. Viens, viens là, bébé, viens. Arrête de pleurer, ok? Ensemble, nous vaincrons. D'accord? Essuie tes larmes. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Oh hey, ma gentille bonne. Hey, qui me... Qui me traite de rire comme ma madame. Hey! Nous sommes finis. Hey, madame. Qui nous traitera encore bien comme madame. Madame, oh. Madame est partie. Madame. Ah, elle est partie. Madame. Madame, ce n'est pas juste, oh. Pourquoi vous nous avez laissé ici? Vous voulez qu'on souffre? Hey. Madame, ça n'est allé. S'il te plaît, tais-toi. Et pourquoi tu parles comme si madame était morte? Elle n'est pas morte et tu dis qu'elle s'en est allée. Tu ne connais pas, pas les Français. Hé, hé, hé! Que se passe-t-il dans cette maison, hein? Elle est partie! Pourquoi vous faites tant de bruit? Elle est partie! Vous parlez de quoi? Et de quoi est-ce que vous... Ola, écoute-moi! Oh, arrête de plaire et dis-moi ce qui se passe. D'accord? Je comprends pas ce que cet idiot raconte. Madame a fait ses valises et est partie. Quoi? Madame n'est plus à la maison à partir d'aujourd'hui. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Madame est partie. Je vous ai dit maintenant, vous avez compris. Vous allez vous taire! Taisez-vous! Hey, nous sommes finis. Hey, madame! Et qu'elle nous traitera encore comme notre madame, ma gentille madame. Hey. Elle te traitait bien, elle me traitait aussi bien. Madame. Madame. Cette idiote de fille. Ola! Il y a quelqu'un au portail. J'ai envoyé ce stupide gardien me prendre quelque chose à la boutique. Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Je suis dans la maison de mon beau-fils. Et vous, qui êtes-vous? Hé, hé! Anasipo Ninini. Hein? Donc ce qu'on dit est vrai? Écoutez, allez là-dedans. Faites vos affaires et ceux de votre fille et foutez-le contre cette résidence. S'il vous plaît, amenez votre cul ailleurs. Comme vous voyez, je suis en train de faire quelque chose ici. Vous faites quelque chose ici? Oh oui! Occupé à faire quoi? À faire des exercices. Vous êtes occupé à faire ça? Oh oui! Mais ce ne sont pas mes affaires. Allez là-dedans.
Faites vos affaires. Quand vous venez du Japon, que vous venez du Milan, que vous venez de l'Amérique, que vous venez de la Chine, emballez vos affaires, prenez votre fille et foutez le camp de cette concession. Je ne plaisante pas. Si quelqu'un doit partir, c'est vous et votre fille. Vous et cette grenouille que vous appelez fille. Vous devez retourner dans cette racaille, appeler voiture et dégager. Dégagez, rhinocéros. Salut. Rhinocéros. Madame, attendez. Hein? Bref, quand je vous regarde, je vois un vaudou. Vous avez osé traiter ma fille de grenouille? Oui. C'est une grenouille. Et vous, vous êtes la mère d'une grenouille. C'est vous la grenouille. Mais vous savez quoi? Attendez une minute. Vous ne pouvez rien faire. Je ne peux rien faire. Bien. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien. Je vais m'occuper de vous. C'est ce qu'on fait. Allez-y. Je ne peux Allez-y. Rien faire. Allez-y. Hey, reviens ici. Une folle. Tu vas me reviens tuer. Reviens là. J'ai une folle. Viens par ici. Laisse-moi. Laisse-moi. Maman, je la tiens. Hey. Tiens-la bien. Dis que tu es une grenouille. Oh, oui. Dans moins de 2 heures, je serai au bureau. Alors garde juste le document. Et quand je viendrai, nous allons le parcourir, d'accord? Hey, Timo! Oga! D'accord. Oga! Oui, entre. Je te rappelle. Hey, ok. Hey, Oga, la guerre a commencé. Cette guerre a commencé, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas une petite guerre. Et là, de quoi est-ce que tu parles? Hey, Oga, je ne sais pas comment le dire, oh. Ce n'est pas une petite guerre. Oh là, calme-toi. De quoi est-ce que tu parles? Va droit au but. Je suis en retard pour le travail et je dois aller voir si ma femme n'est pas chez sa mère. Oga! Changez de programme, oh! Il ne s'agit pas de ça maintenant! Si vous savez ce qui se passe dans votre concession, hein! Le fait qu'il y a ici ne vous laissera aller nulle part, oh! Et je vais vous dire, la mère de madame et de l'autre sont en train de bagarrer. Avant que vous n'alliez, tout le monde sera dans la bagarre. Amène-moi là-bas! Oh gars, faites vite, allons-y! Oh, Gao, dépêchez-vous. Ce n'est pas une petite guerre, oh. Cette guerre, ce n'est pas une petite chose, oh. Je vais te tuer. Tu vas voir ce que tu vas voir ici. Je ne te laisse pas. Ta fille est Sophie. Folle. Des grenouilles. Viens. Non. Viens. Je vais te montrer. Maman, s'il te plaît. Arrête. Viens. Je vais te faire sauter. Viens. Tu restes là. Viens. Approche. Viens. Je ne comprends pas ça. Comment peux-tu me cacher une pareille chose? C'est même pire que ce que j'imaginais. Hein? Maman, tu ne peux pas me blâmer.
J'avais trop honte de l'admettre, encore moins de le dire à quelqu'un d'autre. Ces idiotes doivent partir de cette maison. En parlant, où est Tony? Il a probablement fui. Ce n'est pas un problème. À Karacha, il reviendra. Il n'a qu'à aller aussi loin qu'il le veut, mais il reviendra me trouver ici. Je veux dire, comment a-t-il pu te faire ça? Comment a-t-il pu te faire une chose pareille? Hein? Et toi? Les étrangers envahissent ta maison, ta propre maison. Tu cours chez moi te réfugier, te cacher. Ah! Sophie, la chair de ma chair. Tu n'as pas à me blâmer. Je ne savais pas quoi faire. T'inquiète pas. Je suis là maintenant. Je vais me charger de cette affaire. Tu vois ces gens? Je vais les mettre dehors. Hein? Si je ne parviens pas à le faire, je vais brûler cette maison. Nous tous, on va perdre. Elles vont m'entendre passer. Foutaise. Et celle-là, cette grosse vache, elle veut se mesurer à moi. N'importe quoi. Pour cette vache, hein? Je suis contente de lui avoir donné la fessée de sa vie. Elle ne pourra pas s'asseoir pendant un bon bout. N'importe quoi. Elle veut se mesurer à moi. Si elle est une femme, qu'elle vienne encore m'affronter. N'importe quoi. Ah. Oh. Ah. Tout mon corps me fait mal. Si elles veulent la guerre, on va leur donner la guerre. C'est quoi ces bêtises? Je vais faire de cette maison un enfer pour elles. Elles n'ont aucune idée de ce que je suis. Je suis une tuerie à cuire. Aucune femme ne peut me vaincre. Ah. Je vais franchement les traiter. Ah, cette grenouille. Oh. 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 Eva. Ne t'inquiète pas, maman. Ça va aller. Pour une personne. Donc tu veux que mon mari fasse faillite, n'est-ce pas? Je n'ai pas ton temps, ok? Juste sors d'ici avant que je ne me mette en colère. Tu m'entends? Et qui se soucie de ta colère? Je suis la patronne de cette maison. Alors tu me réponds quand je te parle. Patronne mon œil. Oh, tête de moineau, tu ne sais rien. Tu m'entends? Tu ne sais rien. Écoute, laisse-moi te rappeler. En fait, laisse-moi te faire un récapitulatif. Tu n'es qu'un sale élément secondaire. Je le dis encore, un élément secondaire qui sera bientôt éliminé. Alors sors d'ici avant que je ne pète patience. Je te préviens, je te préviens. Sors, petite affamée. Tu as quitté ta maison, affamée. 4 œufs pour toi toute seule. Attends, comment m'as-tu appelée? Sale petite affamée. Moi, je suis affamée. Toi. 2 œufs suffisent. Comment penses-tu? Tu es folle? Tu voulais me casser un œuf? Ah! Tu es folle? Stupide! Tu es folle? Oh mon Dieu! Tu es folle! Que se passe-t-il ici? Qui je vais te tuer! Je te l'ai dit! Dites-moi, tu vas m'entendre aujourd'hui! Eva, je t'ai prévenue! Je vais te tuer! Cet œuf. Je vais te tuer aujourd'hui! Je vais te tuer pour toi toute seule! Ok. D'accord. Tu es folle? Hey! Hey!
Je demande encore pour la dernière fois. Qui m'a lancé cet œuf? Elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle. Hey. Mon Dieu, c'est quoi tout ceci? Pourquoi ces gens se comportent ainsi? Où vais-je commencer à nettoyer maintenant? Hein? Je suis fatiguée de ce travail. C'est comme si je vais démissionner. Hein? C'est quoi tout ceci? Partout, ce sont des œufs. Elles éparpillent les œufs partout comme si elles sont folles. Hein? Pourquoi, gars? Appuie enceinte les femmes de gauche à droite. C'est quel problème, ça? Regarde partout. Qui va nettoyer ça maintenant? Et dis-moi qui va nettoyer tout ceci, toujours moi. C'est quelle souffrance, ça? Hey! Regarde cet idiot, il est en train de dormir. Ike! Ike! Oui, madame! C'est toi que j'appelle, madame? Toi? Et donc tu es si endormi comme un idiot. Et tu ne sais même pas ce qui se passe ici. S'il te plaît, arrête-moi ça avec ton uniforme d'infirmière. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-moi. Et si tu te mets en colère, tu ne verras pas la nourriture aujourd'hui. Oh. Et s'il te plaît, ne te fâche pas. Attends, laisse-moi te dire. Mais des choses se passent dans notre maison. Et ce n'est pas une petite chose. Si je te dis ce qui se passe, tu ne vas pas croire. C'est vrai, je ne vais pas croire. Oh. Pas besoin que tu me dises quoi que ce soit parce que je ne vais pas te croire. Donc va-t'en avec ton uniforme, s'il te plaît. Oui, va-t'en. Attends d'abord. Écoute, le matin que tu es sorti. Oui. Quand tu allais acheter quelque chose. Et si tu vois ce qui s'est passé dans cette maison. Hein? Les femmes d'Orga ont retourné cette maison. Et cette cour en ring de boxe. Elles ont livré un combat de boxe comme si c'était la fin du monde. Et ce n'est pas à négliger. Je te dis. Hey! Ha! Et pour moi, hein? Et ce n'est pas la bagarre qui me donne les maux de tête haut. Parce qu'elles ont déjà tout saccagé dans cette maison. Et ce qui me fait mal, c'est la façon dont elles ont saccagé la cuisine. Oh. Elles ont tout saccagé. Elles ont pris les œufs et jeté au sol. Et jeté les œufs. Jeté les œufs au sol? Et qu'est-ce que nous allons manger maintenant? Qu'est-ce que nous allons manger? Hey! Écoute, hein? Et qui va nettoyer ce sol? Qui va le nettoyer? Pardon? Ça me fait mal, oh. Je suis épuisée dans cette maison. À qui demandes-tu? Hein? Mais quelle est cette question stupide? Je me pose la question de savoir qui va nettoyer le sol. Nous savons tous les deux qui va le faire. Non, c'est ma maman Karonicha qui viendra le faire à ta place. Hein? Ce n'est pas ce que je parle, Ike. Notre gars vraiment merdé. Regarde comment il a mis en son téléphone. Hey, regarde comment. Et qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas du tout. Mais toi, oui. C'est toi qui... N'essaie pas de prononcer mon nom. Mais tu sais que ce qu'on a fait n'est pas bien. Il n'est pas le seul homme dans ce... Hein? Écoute-là, je ne sais que je te le dise. Tu sais que tes arrêts sont assurés. Tu as quelqu'un qui te soutiendra si on te renvoie. Quant à moi, je n'ai personne. Chacun est de son côté, alors personne ne me soutiendra. Je t'en prie, ne m'implique pas dans cette histoire. Alors va-t'en, dis ça avec ton uniforme d'infirmière. Va-t'en, suis ton chemin. Je te plains pas, je pensais parler à une personne. Allez, va-t'en d'ici. Je pensais parler à une personne. Ne t'en fais pas, bientôt tu seras comme ces filles. Petite commère. N'importe quoi. J'ai profité de mon sommeil et elle ose venir me réveiller. Hey. Je retourne me coucher. Si vous aviez vu ce qui s'est passé, votre maison s'est transformée en champ de bataille. Je vous jure. Monsieur!
Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, ce qui s'est passé? La mère de votre deuxième épouse, hein? La mère de votre première femme a donné un coup de poing à la mère de votre nouvelle épouse. Alors la nouvelle madame a réagi. Bien. Fallait voir le sang a jailli. La nouvelle madame allait prendre, l'ancienne madame allait prendre la poêle pour frapper la nouvelle. Si vous aviez été là, ha! J'étais là quand tout s'est passé. J'étais témoin. Écoutez, monsieur, c'est ce que cette fille m'a dit. Cette fille comme elle, dont j'ignore le nom, je sais pas comment. J'ai pensé que, comme je vous aime bien, il fallait que je vous le dise. Je n'étais pas là, mais c'est ce qu'elle m'a raconté. As-tu fini de perdre mon temps? Oui. Monsieur! Faites attention! Ah, vous savez pas ce qui s'est passé dans cette cuisine. Entrez juste dans cette cuisine. Vous allez vous-même constater. Je fais juste mon travail. Hey! Faites attention, monsieur, je vous aime, c'est pour ça que je le dis. Tu m'as fait peur. Dis-moi, t'as pas honte, toi? Faufiler dans ta propre maison. Ou alors tu m'évitais? Faufiler dans ma propre maison ou alors t'éviter? Non. Je ne voulais juste pas faire de bruit pour ne déranger personne. Comment as-tu pu? Tony, comment as-tu pu? Maman, c'était une erreur. Tu viens de m'appeler maman? Je ne suis pas ta mère. Tu dois être castré pour être aussi lâche. Je sais. Mon Dieu, pourquoi? Je t'ai fait confiance. Je te faisais tellement confiance. Comment as-tu pu décevoir tout le monde? Tu sais, j'ai toujours pris ta défense devant Sophie. C'est pour ça que je ne comprends pas. Pourquoi cette déception? Je suis vraiment, vraiment désolé. Je savais pas que ça allait finir ainsi. Il ne savait pas que ça allait finir ainsi. Bien. Mais tu devais les renvoyer. Je ne suis pas fier de ce qui se passe. Mais Eva et Funke sont toutes enceintes de moi et je peux pas les renvoyer. Puisque tu ne peux pas les renvoyer, sois prêt à affronter le feu qui brûlera ta maison. Et je te promets une chose. Tu seras incapable de supporter la chaleur. Hola? Hola? Hola! Oui, maman. Dois-je t'appeler trois fois avant que tu me répondes? Ne vous fâchez pas, madame. Tu veux me rendre hyper tendue? Non, madame. De toutes les façons, ce sont les clés de la cuisine. Si quelqu'un veut aller prendre quelque chose à la cuisine, dis-lui de venir me voir. Ok, madame. Pourquoi faut-il toujours que tu secoues la tête comme un lézard sur le mur, hein? Toujours en train de faire carré. T'es un lézard? Non, madame. Pardon, dégage! D'accord, madame. Ces ménagères de nos jours sont tellement nulles que quand tu essaies un peu de leur donner de l'espace, elles perdent la tête. Ce n'est pas ce que je veux regarder. Où est la...
Hola. Hola. Madame. Pourquoi la cuisine est-elle fermée? Madame, c'est la mère de madame qui a verrouillé. Oh. Elle a dit que personne n'entre. Quoi? C'est ce qu'elle a dit. Oh. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle... Maman? Maman! Oh! Maman! Eva! Je suis malade et je dors. Maman, la mère de Sophie a verrouillé la cuisine. Je ne comprends pas. Comment? Maman, comment est-ce que tu veux que je te l'explique? La mère de Sophie a bloqué la cuisine pour qu'on n'entre pas. Sophie, où est cette chose que tu appelles mère? Hey, madame, mais je te parle. Es-tu sourde? Espèce d'inutile. Osioma, peu importe comment on t'appelle. Osioma! Osioma, comment oses-tu? Comment oses-tu? Regarde-toi. Comment oses-tu venir aboyer ici? T'es normal? Hein? Et pardon, dégage de ma vue. Sais-tu qui je suis? Je suis la belle-mère du distingué Tony Walker. Qui est-ce que tu es? Je suis... Qui est-ce que tu es? Qui diable penses-tu être? Qui est-ce que tu es? Qui penses-tu être? Biko, arrête de réfléchir comme une idiote. Qui penses-tu être? Jennifer l'Américaine? Juste, passe-moi les clés. Passe-moi les clés de la cuisine. Ok. Si tu es suffisamment une femme, viens les prendre. Sale sorcière, tu me cherches des ennuis. Et je vais m'occuper de toi, honnêtement. Non. Toi. T'as été la première à me chercher ces ennuis. Lorsque tu t'es initiée dans le mariage de ma fille, mais laisse-moi te dire un truc. Mon beau-fils n'a peut-être pas des couilles assez solides pour te demander de partir d'ici. Mais tu me vois, moi. Je vais m'occuper de toi. Tu m'entends? Je vais m'occuper de toi. Est-ce à moi que tu t'adresses ici? Qui est-ce que tu es? Est-ce à moi que tu t'adresses ici? T'es malade? Vas-tu laisser ma main? Tu as dit de laisser ma main? T'as essayé de me gifler? Oui. Ok, à ton voir. Hein? Tu penses que tu es en Amérique ici? Tu veux m'affronter? Non, attends. Trouvons d'abord un espace. Non. Veux-tu montre-moi ce que commençons tu peux faire. Commençons par ici. Montre-moi tranquille, observe. Tiens ton tranquille, observe. Je vais te montrer mon talent. Je vais te montrer mon talent. Je vais crever ton œil. Le mien, c'est le kung fu. Regarde. Le mien, c'est le kung fu. Viens, regarde. Viens. Allez, approche. La ferme. Sale chèvre. Sale chèvre. Sale chèvre. Sale chèvre. Sale vache. Je vais finir cette graisse. Je vais finir ta graisse. Je vais t'aider à perdre le poids. Je te jure. Je vais te montrer. Je vais... Pas d'influence américaine. Pas d'influence américaine. Oui. Clé 14. Clé 14. Je te tiens. Je te tiens. Je vais te montrer. Je veux t'affronter à moi. Cette femme n'a aucune idée de qui je suis. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne me connaît pas.
devrions-nous passer de la pauvreté au luxe tout en étant jolie? Où est mon téléphone? Il doit être ici. Oui, donne-le-moi. Tu as pour habitude de mettre ton téléphone sous l'oreiller. Ce n'est pas bien. Que se passe-t-il ici? Hey! Hola! 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 Cette fille, madame! Que s'est-il passé ici? Je n'arrive pas à ouvrir la porte de la cuisine. Hey! Que s'est-il passé? Madame, c'est la mère de la nouvelle madame qui appelait le menuisier. Changez la serrure. Quoi? Oui, madame. Elle est malade? Je ne sais pas. Ça ne va pas chez elle, mais tu es restée là à la regardant faire. Tu n'as rien fait. Je ne pouvais rien faire, madame, je ne pouvais rien faire. Ferme-moi cette bouche. Hey. T'es stupide. Hey. Regarde-moi ce mouton. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire. Partons, dégage de ma vue. D'accord. Madame, dégage de ma vue, imbécile. Aïe. Cette femme veut me défier. Cette femme veut me défier. Comment a-t-elle pu? Comment ose-t-elle? Tu veux me défier, c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on fera. Qui est là? Écoute, écoute, écoute très bien. Comment oses-tu? Comment oses-tu changer la serrure de la cuisine de mon propre gendre? T'es stupide ou quoi? Écoute, tu ferais mieux de sortir de cette chambre maintenant, sinon je vais brûler toute cette maison. Fais ton pire. Je dis fais ton pire. Tu veux savoir de quoi je suis capable, n'est-ce pas? Tu es là à parler le français, il n'y a pas de problème. Il vaut mieux pour toi que tu restes là-bas en permanence, parce que je ne quitterai pas cet endroit tant que tu ne sors pas de là. Fais-moi confiance, je vais t'attendre. Je vois que tu veux un deuxième tour. Je te le donnerai avec plaisir. Deuxième tour? Tu parles du deuxième tour? Je serai celle-là qui va te le donner. Reste juste là-bas et tu verras ce qui se passera. Si tu essayes de mettre le pied ici dehors, hein, le ciel va te tomber dessus. Je m'assurerai que tous tes dires, tous tes actes, tout ce que tu avances retombe sur toi, idiote. Reste là. Sale pétasse. N'importe quoi. Tony, qu'est-ce qui ne va pas? J'en ai marre de toi. Allez, mec. Essaye de te calmer. Tu pourrais être le putain de directeur financier de cette entreprise, mais ça ne te donne pas le droit de boire au bureau. Je ne peux pas me calmer. Je ne peux pas. Ralph, j'ai tout perdu. Ma vie ne sera plus jamais la même. Je veux simplement voir ma famille telle qu'elle était. C'est tout ce que je veux. Je suis d'accord que les choses ne seront plus pareilles, mais tu peux toujours transformer ton citron en limonade. Ralph, s'il te plaît. S'il te plaît. Je suis sûr que tu peux résoudre ce problème. Je peux pas. Elles sont deux maintenant. Quoi? Oui. Elles sont deux maintenant. Tu te souviens de ce jour où nous sommes allés dans ce restaurant? Bien sûr, je me rappelle. Cette fille qui nous a servi, c'est elle la deuxième. Fonquet. C'est elle la deuxième. Alors quand je suis rentré à la maison hier soir, devine quelle était la surprise. Je suppose que ce n'était pas un bébé. Non. Elle a enfin vendu les droits d'auteur de son livre à une entreprise chic à Hollywood. Tu t'imagines? Je suis vraiment désolé pour ça. Je sais à quel point tu dois être déçu. Tu n'as aucune idée, mon pote. Crois-moi. Excusez-moi, monsieur. Bon après-midi. Monsieur, votre addition est de 4000 naira. 4000, ok, d'accord. Est-ce que c'est possible de payer avec la carte? Ah, désolé, monsieur, notre PLV est défectueux, mais vous pouvez faire un transfert. Ok, d'accord, apportez-moi votre numéro de d'accord, compte. D'accord, monsieur. Ok, merci. Peux-tu t'imaginer?
Je suis rentré à la maison, pensant d'entendre quelque chose, quelque chose de gros, et boum, c'était... Bien sûr, j'imagine bien, j'imagine. Voilà, merci beaucoup. Permis de banque, c'est oui, ça? Oui, exactement. C'est bon, c'est fait. Merci. Ouais, je vous en prie. Merci. On y va? Oh, exactement. Ah. Tony! Tu veux dire que tu es sorti avec cette serveuse? Je pensais pas clairement. Je sais pas. Tony, tu es un mec méchant. Alors tu veux dire que tu étais avec cette serveuse? Tais-toi, tais-toi! Ferme ta gueule! C'est pas une blague! Ma vie est un gâchis, je te le dis, et toi tu penses que je plaisante! Tony, tant que ces autres femmes sont toujours chez toi, tu es dans un gros pétrole. C'est ce que je dis! C'est ce que je dis! Je sais même pas comment je vais arranger ça! Mec! Tu dois arrêter. Arrête ça, mec! Donne-moi cette bouteille. Je ne vais pas te laisser boire ainsi. Donne-la moi. Je ne le ferai pas. Ah, arrête ça, mec. Incroyable. Fais chier! Mon amour, regarde ce que j'ai fait pour toi. Tu vas aimer. Bébé, tu veux manger ce poison? Excuse-moi. Ma nourriture, un poison? Ma nourriture, un poison? Funke, ma fille, ne t'occupe pas de celle-là. Funke, est-ce que tu m'entends? Maman, ne t'inquiète pas. Enlève tes conneries d'ici. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est comme ça qu'on t'a appris à servir un homme? C'est comme ça qu'on sert un homme? Comment suis-je censée le servir? Madame, je sais tout. C'est comme ça qu'on sert un homme? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon service? Qu'est-ce qui ne va pas? Dégage de là avec ce poisson. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon service? Quel est ton problème? Ne t'occupe pas d'elle. Mange plutôt ceci. Sers à ton mari. Bido. Ne t'occupe pas d'elle. Tu sais quoi? Attends, tu veux qu'on le nourrisse? Pas vrai? Voilà, tiens. Mon amour, mange. Prends. J'ai apporté la mienne en premier, hein? Mange, s'il te plaît. Mon amour. Cette folle va me tuer! Elle va me tuer! C'est une folle! Ah! Elle va me tuer! Cette folle va me tuer! Arrêtez-la! Elle va me tuer! Mais qu'est-ce que vous... Idiote! Regarde-moi cette faible américaine! Où est-ce que tu es? Oh. Console ton mari. Je suis fini. Pourquoi tu l'envoies là-bas? Calme-toi, mon amour. Funke, suis-le. Funke, suis-le. Attends, mon amour, allez, calme-toi. Viens manger un peu. Où comptes-tu aller? T'es malade. Mon amour. Tu ne bouges pas. Viens ici. Funke, suis-le. Laisse-moi, vieille femme. Laisse-moi, je vais te faire mal. Tu vas me pousser. Suis-le. Funke, donne-lui à gauche. J'arrive, à droite. De partout. Donne-lui en gros. Donne-lui comme ça se doit. Cette chose qu'elle appelle perruque. Des choses inutiles. C'est quoi ça? Des saletés comme ça. Des choses inutiles comme ça. N'importe quoi. Qui est là? C'est moi, Eva. Entre. Arrête de faire l'innocent. Comment as-tu pu amener cette villageoise dans notre maison? Notre maison? Oui, mon amour. C'est ce que tu viens de dire. Ici, c'est la maison de Sophie. Et je ne te dois aucune explication ou quoi que ce soit. Je ne vais plus te laisser me traiter de cette façon. Écoute-moi très bien, Tony. Si tu ne veux pas me traiter comme je mérite d'être traitée, je vais sortir de cette maison avec ton bébé et tu n'auras pas la chance de le voir.
Vraiment? On sait bien tous les deux que tu ne ferais jamais ça. Parce que toi et ta mère Avid avaient besoin de mon argent. Tu fais toujours tout ce que tu peux pour me mettre en colère. C'est bon, oublions ça. Allons au lit. Quel lit? Celui sur lequel nous sommes. Quel lit? Tu parles de quel lit? Écoute, Eva. Je parle de ce lit. Kilo Shell Enigmi. Que se passe-t-il ici? À ton avis, qu'est-ce que tu vois? Ma chère sœur d'ici, c'est mon tour de dormir avec lui. Oh, Seigneur Jésus. Va-t'en, que fais-tu ici? Quel problème? Ma chère, va-t'en, c'est mon tour aujourd'hui. Pouvez-vous toutes les deux sortir de cette pièce? Sortez, s'il vous plaît. Maman, arrête. Sophie. Oh. Je vois que tu as déjà de la compagnie. Sophie, attends. Hé, reste là. Où vas-tu? Toi, tu... Sers-toi de sortir. Moi, sortir? Tu dois plaisanter. Sophie! Tu restes ici. Lâche cette couverture. Respecte. Tu viens de me toucher? Respecte-toi, respecte. Si tu me touches encore! Si tu me touches encore! Tony, dans quoi tu t'es mis? Lâche-le. Laisse-le. Tu vas pas chez toi. Je vais te casser. Vous allez arrêter ça maintenant toutes les deux. Tu n'es pas forte. Arrêtez ça. Je vais te casser, idiote. Sors d'ici. Arrêtez. Viens si tu peux. Viens si tu peux. Viens si tu peux. Tu es une femme, je suis là et je n'irai nulle part. Hey. Regarde, j'ai fait ceci pour toi. J'en veux pas. Attends, s'il te plaît, prends. Tu pourras le manger plus tard. J'ai dit que j'en veux pas. Eh bien, je ne le prendrai pas comme une réponse. Eh bien, tu feras mieux de l'accepter. Prends, Tony! Tu as décidé à empoisonner mon mari, n'est-ce pas? Tu veux dire mon mari, n'est-ce pas? Si tu penses que tu peux venir de nulle part et voler mon mari, sache que je te trompe. Oh, arrête d'aboyer! De toute façon, on verra qui il choisira, ok? Ce n'est pas assez évident. Regarde-moi. C'est sûr qu'il va me choisir. Il va te choisir. Tu n'es qu'une rêveuse. Écoute, tu crois que je n'ai pas entendu comment il t'a insulté? En fait, il t'a lavé ce matin. Tu penses que j'ai pas entendu? Donc, tu écoutes aux portes. J'ai toujours su que tu n'es pas aussi naïve que tu veux le faire croire. Je n'ai pas besoin d'espionner, ma chère. Je n'ai pas besoin d'espionner quoi que ce soit. Écoute, depuis quand es-tu là? Tu es ici depuis un moment et tu n'as pas pu renvoyer la vieille femme. Tu n'as pas pu renvoyer la vieille épouse. Mais ne t'inquiète pas, ma chérie. Détends-toi. Continue à fumer et à faire tout ce que tu fais dans cette maison. Je vais t'aider à le faire. Toutes les deux, vous allez sortir. Regarde-moi faire. Regarde-moi le faire. Dégage! Reste loin de mes affaires.
Qu'est-ce qu'il y a? Où est ma marmite de riz? Oh, j'ai la marmite. Et ton riz est dans la poubelle. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Es-tu sourde? J'ai dit ton riz est dans la poubelle. Va te servir et mange. Et la marmite est ici. Oh oui. Que vas-tu faire à ce sujet? Ceci. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Ewa. Ewa. Hey, oligbono na agba. Na po. Ele, ele, ele. Oligbopori agba, baratiede. Porquede. S'il te plaît, tu peux changer cette chaîne et mettre une chaîne de mode. C'est ça que je veux regarder. Que les dieux te pardonnent. Que tes ancêtres te pardonnent. Je peux voir que tu manques d'éducation. Hein? Si tu ne quittes pas d'ici maintenant, je vais refaire ton visage. L'amour de mon œil. Essaye. Et je vais oublier que tu as l'âge de ma mère et te briser tous tes os. Hey! Hey! Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, cette vieille sorcière veut me battre. Salope! Oh! Donc tu veux taper sur ma fille? Ma charmante fille. Vieille salope. Je te conseillerais de rester loin de ça. Sinon, je vais vous réunir et frapper comme un enfant. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je te déchirerai en pièces. Qu'est-ce que je t'ai entendu dire? Tu vas déchirer ma mère en pièces? Ma fille chérie. Maman, nous allons toutes les deux oui, les battre. Oui. Vous savez quoi? Même toutes les deux réunies, vous ne pouvez pas nous battre. Essayez. Bande de filles. N'importe pardon, quoi, vous ne connaissez pas. Ne me touche pas. Quoi? Oui. As-tu ma fille? Je vais te gifler. Allez, le courage de taper sur ma fille. Regarde celle-ci. As-tu gifler ma fille? Regarde ici. Regarde. Maman, frappe-la. Frappe-la. As-tu gifler ma fille? Salope. Qui est salope? Qui est salope? Le pire. Maman. Mes yeux. Viens m'aider. J'ai du piment dans les yeux. Fouquet, où es-tu? Où es-tu, Fouquet? Le piment chauffe mes yeux. Le piment chauffe mes yeux. Ma fille, maman, mets-toi à l'aise. Tu es chez ton mari. Mm-hmm. Tous les jaloux de cette maison vont maigrir. Comme tu peux voir, elles sont toutes jalouses de toi. Mm-hmm. Ah, tu vas faire un bon mariage. Cette maison est à moi. C'est ta maison, ma chérie. C'est ma maison. En fait, je vais maman chanter chante. Pour toi. Anen djebe manende basilik penounu. Evun kebe djebe nke na yingibonu. Oyanu, na yen djebe nguanende na djibi kwenu. Ebun kwebeje enkebe na yinjibonu. Mwane njebu manene mangundi kenunu. Vas-y doucement, je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit. Maman, rien, je suis forte. Tu es forte. Tu es forte comme ta mère. Oya, allez, continuons. Je me suis arrêtée. Aye, djebi man. Tcheke. Mane djebu mayen. Que se passe-t-il ici? Pourquoi autant de bruit dans cette maison? Un autre cas à gérer. Maintenant, je comprends l'opinion publique, selon laquelle
Certains droits de l'homme sont défectueux dans ce pays. Je ne vous en veux pas. Eléo. N'importe quoi. Je n'ai pas ton temps. Au français maintenant. Tu l'as pas entendu. Tu l'as entendu. Qu'a-t-elle dit? J'ai entendu. Carotte. Et la constitution. Je l'ai entendu. Je n'ai rien compris. Elle veut peut-être dire qu'elle a 40 ans. Ok. Ce truc qu'elle porte là, à 40 ans. La sienne. Originale. Originale. Oui. L'autre là, 40 ans. Elle a 40 ans. Consou, la constitution. Maman, t'occupe pas d'elle. Allons-y. Vieille femme! Répète après moi. Elle a 40 ans. Vieille femme! C'est une vieille femme! Vieille femme! 40 ans, vieille femme! N'importe quoi! Constitue, peu importe. Maman, chante et danse. Elle faisait des bruits, criant comme des animaux. Et quand je suis sortie, elles m'ont insultée. Je peux les poursuivre, tu sais. Ah. Qui est-ce? Non, non, non. Pas une autre, oh Seigneur. Ah. Oh mon Dieu. Cet endroit est très joli. Excusez-moi. Qui êtes-vous? Je m'appelle Elisabeth. La secrétaire de Tony. Oh, vraiment? Dans ce cas, vous êtes la bienvenue. Ah, maman, je pensais que c'est l'une de ces filles que Tony a mise enceinte. Ah, oh oui, je suis enceinte de lui. Quoi? Eh bien, nous avons une petite aventure au bureau. Et cette grossesse, c'est le résultat. Maman, tu as entendu ça? As-tu entendu ce qu'elle vient de dire? Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, non. 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 J'y vais à l'intérieur. Je voulais juste vous informer. Bébé. Hey. Je pensais avoir tout vu. Tony, tu as fait fort. Tu es une déception pour nous tous. Oh. Monsieur, vous allez bien? En quoi ça te concerne? Hein? En quoi ça te concerne? Ton travail, c'est de surveiller le portail, pas de foutre ton nez dans mes affaires. Monsieur, ne vous fâchez pas, c'est juste que vous n'avez pas l'air bien. Retourne à ton poste. Monsieur, ne vous fâchez pas que je dise ceci. Ce n'est pas du commère, je ne suis pas commère, vous voyez? Hein? Dieu m'en préserve, je ne suis pas commère, mais devinez ce qui s'est passé, hein? Il y a encore du nouveau, une nouvelle femme est arrivée avec la grossesse. Je ne sais pas, ne vous fâchez pas. T'as dit quoi? Ah, monsieur, je voulais juste vous informer. Vous ferez mieux de préparer votre corps, votre esprit et votre âme. Hein? Parce que, je ne sais pas, ne soyez pas surpris lorsque vous arriverez à l'intérieur. T'es
es une déception. T'as déshonoré toute ma famille. Sophie ne mérite pas ça, tu sais. Je sais que j'ai commis tant d'erreurs, mais j'aime encore ma femme. L'amour ne blesse pas. Si tu aimes ta femme, comment se fait-il qu'elle soit sur son lit à pleurer? Je regrette tout ce que j'ai fait. Mais mes actes ne peuvent pas être changés maintenant. En ce moment, tout ce que je peux demander, c'est votre pardon. Tu le demandes à la mauvaise personne. S'il te plaît. Je veux lui parler. J'ai peur qu'il soit trop tard. Elle est déterminée à quitter ce mariage. Et pourquoi est-ce que nous parlons même de ça? Ton mariage n'existe plus. Ton mariage est mort. Je suis désolée, c'est trop tard. Excuse-moi. Sophie! Sophie! Mariage, mon œil. C'est une histoire ancienne. Ceci n'est pas un mariage. Mon amour, s'il te plaît, ne pars pas, s'il te plaît. Espèce de bâtard! Comment as-tu pu? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît. Tu es désolé. Tony, tu es désolé. Tony, je t'aime. Je ne mérite pas ça, Tony. D'abord, c'était Eva. Après, Funke. Et maintenant, ta secrétaire. Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne les aime pas. Tout ça s'est passé dans mes moments de faiblesse. Épargne-moi ça. Tu n'étais pas saoul cette fois. Tu n'étais pas ivre, Tony. C'est quoi ton excuse? C'était un moment de faiblesse. Avec Funke, c'est arrivé ce samedi où je t'ai dit que j'allais au travail. Allô? Hey, c'est moi, le gars du restaurant. Tu m'as donné ton numéro. Oui, je me demandais si on peut se voir dans un endroit calme et parler. Oui. Ok, bien sûr. À tout à l'heure.
C'est parti! Quentin. Oh mon Dieu, putain, t'es si drôle. Je me rappelle plus la dernière fois que j'ai ri ainsi. Eh bien, je fais de mon mieux. Mais dis-moi, pourquoi n'as-tu plus ri ainsi? Je veux dire, personne ne devrait rester sans sourire. Quand ta vie n'a plus de sens, ça devient difficile de sourire. Mais qu'est-ce que c'est? Tu peux me parler. Tellement j'ai envie d'avoir un enfant que je ferai tout pour l'avoir. Pourquoi voudrais-tu tout donner pour avoir un bébé? Je veux dire, surtout que je suis là. Tu veux dire que tu peux le faire? Oui, bien sûr. Je peux. Mais c'est juste que je n'ai jamais fait ça avant. Alors comment comptes-tu le faire? Je peux essayer. Je ferai tout pour toi. Vraiment? S'il te plaît. Alors, il n'y a absolument aucun doute que le bébé est de toi. Je vois. Maintenant, tu as tout ce que tu voulais. Tu as tout ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu l'as. Non, mais tu sais quoi? Tu vas me perdre. Je vais être le sacrifice de tout ce que tu as. Non, 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 non. Sophie, je t'en prie. Écoute, je sais pas quoi dire maintenant, mais je te laisserai pas partir. Écoute, je mourrai à l'instant si je te laissais partir. Ne pars pas. C'est tard. C'est trop tard. Non, Sophie. J'ai déjà parlé à mon avocat. Sophie. Je recevrai les papiers du divorce très bientôt. Sophie, non, non, non. Sophie, laisse-moi partir. Non. Pitié, pitié. Ne te donne pas de la peine de me chercher chez ma mère, parce que je ne vais pas là-bas. Sophie, laisse-moi s'il te plaît, partir. Sophie, je t'en prie. Sophie, laisse-moi partir. Fais pas ça. Sophie. Idiot. Sophie. Sophie. Non. Sophie. Après-midi, mon chantre. J'ai une très bonne proposition pour toi. Ma fille Eva pense qu'elle peut avoir ton amour. Mais je peux voir dans tes fantasmes que ça ne va jamais arriver. Bien. Fais-lui voir ta vision. Cela aura un prix. Je vais la convaincre d'abandonner ses fantasmes. Quand le bébé naîtra, le pauvre te sera amené. Mais ça te coûtera beaucoup. Combien? 8,5 millions de naira sera largement suffisant pour que la paix règne dans ta maison.
Attends, tu penses que je fais du blanchiment d'argent ou quelque chose comme ça? 8 millions et demi de naira? 8,5 millions de naira, pas de dollars. Je sais, mais c'est trop. Tu peux te permettre. Peu importe, Maghreb ou Magrette. Donc tu penses que tu peux faire chanter mon gendre pour qu'il te donne de l'argent? Tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires, sale peste. Bien sûr que je m'occupe de mes affaires. Tony est mon gendre et il fait partie de mes affaires. Vieille peau. Écoute-moi, tu mets sérieusement ma patience à l'épreuve. Je vais m'occuper de toi comme il se doit. Oh, Zozo, tu mets ma patience à l'épreuve et je vais m'occuper de toi. De quelle patience parles-tu? Toi, vieille peau, tu es une folle. Essaye-le. Essaye-le et je te brûlerai vivante. Toi, cette femme. Tu veux que je te tue pour que je puisse être dans les ennuis? Ça n'arrivera pas. Regarde-toi. Je ne vais pas te toucher. Je ne te toucherai pas. Vas-y, touche-moi dans mon bouc, on dirait. Touche. Oh. C'est indisque. Je suis une chèvre. Une chèvre. Bègue. J'accepte d'être une chèvre. Je suis une chèvre. Tu n'es qu'une salope. Tu es une vache. Tu n'es qu'une salope. Tu n'es qu'une salope. Tu n'es qu'une vache. Une salope, tu es. Tu n'es qu'une salope. Tu te pavanes partout dans la maison avec la poitrine d'ailleurs. Tu n'es qu'une salope et toute ta famille avec. Tu n'es qu'une salope et ta famille tout entière. Bébé. Bébé. C'est si triste de te voir ainsi. Ça ne te regarde en rien. Ton sourire me manque. Ton joli sourire sur ton visage me manque. Elisabeth, laisse-moi tranquille. Sérieusement, je ne peux pas croire que tu es devenue l'ombre de toi-même. Pourquoi? Toi et les autres femmes avez fait de moi ce que je suis maintenant. Vous avez profité de ma faiblesse et vous l'avez exploitée. Elisabeth, reste. Loin de moi. Bébé. Bébé, s'il te plaît, reviens. Maman? Oui, ma chérie. Maman Sophie a quitté la maison. Oh, ça mérite d'être célébré. Oh, allez! Maman, comment se réjouir quand j'ai plusieurs concurrentes? L'autre femme est la raison de son départ. Calme-toi, ma chérie. Peu importe qui c'est, toutes partiront et nous prendrons possession de cette maison. Je te fais confiance, maman. Fais confiance à ta mère. Cette maison sera à nous.
N'est-ce pas évident que toutes les deux vous êtes jalouses de ma mère et moi? Ça n'avait pas été à cause de ma grossesse. Pensez que je serais ici avec ces deux énergumènes que vous êtes? Regardez qui parle! Ma chérie, dégage! Regarde-toi, ma chérie, dégage d'ici! Quelle... Laisse-moi même te demander, hein? Que faisais-tu quand tu es tombée enceinte? Comment es-tu tombée enceinte d'un homme marié? Tu n'as pas honte de toi? Qui est celle-là? De quoi s'agit-il? Vous êtes là occupée à parler de l'homme que j'aime. Hein? Si vous savez ce qui est mieux pour vous, toutes les deux, vous ferez mieux de la boucler. Tu es sûre que ça va? En effet! Tu es sûre? Tu es une pute! Tu me demandes de me taire en vertu de quoi? Attends, je pensais que tu étais simplement sa secrétaire. Et comment est-ce que tu as fait pour arriver à ce point-là? Hein? Qu'est-ce que tu fous même du ici? Du secrétariat à la grossesse. Un homme marié, tu n'as pas honte? Ah, regardez qui parle. Ma chère, reste de ton côté. Je vais te gifler. Tu vas gifler. Je vais te frapper. Essaye. Tu vas gifler qui? Essaye. Ne me provoque pas, oh. Ne me provoque pas. Écoutez-moi, je vais toutes les deux vous ne brûler me pas, oh. Dans cette maison. Je vais toutes les deux vous brûler dans cette maison. Et pousse-toi. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Et tu me touches, tu l'enfermes. Je ne peux rien faire. Regarde-moi celle-là. Ah, j'ai juste pitié de toi. Elle veut se comparer à moi. Tu ne quittes pas cette maison, je jure que c'est ton corps qu'on trouvera dans cette maison. Mon téléphone. Mon téléphone. Allô, maman? Allô, maman? Maman, s'il te plaît, je viens à la maison. Écoute, j'ai vraiment besoin de lui parler. Maman? Allô? Allô? Fais chier! Bonjour, mon amour. Reste loin de moi! Enlève ton bras sur moi! J'ai été là pour toi. J'ai été là pour toi. Mon amour, je suis la seule femme qui te rend heureux. As-tu oublié là-bas au bureau? Ne me touche pas. Durant tes misérables années de mariage, j'ai été là pour toi, mon amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Parle-moi, s'il te plaît. Eddie, ne me touche pas. Souviens-toi que je suis enceinte. Souviens-toi que je suis enceinte. Ok, mon amour, je vais te laisser pour l'instant. Non!
Hey, mon Dieu, je suis fatiguée de cette vie. Et cette maison est déjà devenue un endroit de disputes et de querelles. Ça ne me donne pas envie de me marier. Les disputes à gauche, à droite. Mais quelle connerie? Oh là, dis-moi, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu es devant ma porte à faire ce bruit? Je suis vraiment épuisée. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ike, je suis fatiguée. Cette vie me fatigue. Je suis fatiguée dans cette maison. Je t'en prie, je suis fatiguée. Tu es fatiguée de la vie. Tu n'en peux plus. Attends, dis-moi, tu as atteint la ménopause? Et quelle ménopause? Je demande juste parce que tu... C'est toi le ménopausé. C'est toi qui entres en ménopause. Ce sont les hommes, pas les femmes. Tu as vu une femme ici. C'est la ménopause des hommes, pas des femmes. Mais c'est plutôt l'andropause chez les hommes. Ça veut dire que je n'ai pas allé à l'école. Bref, tu ne vas pas comprendre, Ike. Je suis fatiguée dans cette maison. La façon dont elles se battent, même la première, la deuxième, la troisième guerre mondiale n'atteint pas. Elles se battent et cassent tout dans cette maison. Hein? Un jour, elles viendront fendre ma tête. Qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Qu'est-ce que je vais vraiment lui dire? Elles se battent et cassent tout dans cette maison. Elles ne se soucient pas de mon travail. Je suis fatiguée. Je suis épuisée, Ike. Je suis fatiguée. Écoute, je suis très fatiguée, Ike. Tu n'as encore rien vu dans cette vie. Tu vois cette vie? Tu n'as encore rien vu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as encore rien vu. Écoute, laisse-moi te dire. Hein? Porte tes problèmes, tes ragots, et retourne à ton poste. Je n'ai pas besoin de ça, pas besoin de ça ici. Tu m'entends? Je ne veux pas. Écoute, tes ragots à deux balles. Je vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça? Je vaux mieux que ça. Et tu n'as même pas encore traversé les gosses. Tu es encore à les gosses. Et tu parles. Je vaux mieux que ça. Et tu veux jouer à l'important. N'importe quoi. Je te plains pas. Pardon. Mais écoute, tu vois, ce que tu racontes là a quand même du sens, tu vois. Maintenant que madame est partie, hein, laquelle de ces trois femmes le patron va épouser? Ces trois femmes, ces femmes enceintes, laquelle le patron va épouser? En quoi cela me concerne? C'est mon affaire. Et c'est à moi que tu demandes. Et ce n'est pas toi qui as dit que tu n'aimes pas les ragots. Et pourquoi maintenant tu vas t'étouffer avec? Et viens me demander, ça va te ronger au fond. Hi! Je suis venue te dire quelque chose d'important, une chose cruciale. Mais tu m'as dit que tu n'aimes pas les ragots. Et maintenant, tu me demandes qui Oga veut épouser. Et c'est ta sœur qui veut épouser. Va chercher ta sœur au village. Je pense que tes gens vivent au village. Et va chercher une personne pour qu'il épouse. C'est toi le père des ragots. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Regarde-toi. C'est à moi que tu parles ainsi. À qui voudrais-tu que je parle? C'est à moi que je parle ainsi. Mais regarde-toi. Et si tu n'aimes pas les ragots, pourquoi tu me demandes qui? Et c'est ta sœur qui va épouser. Je ne t'en veux pas. Je suis moi-même venu m'asseoir pour discuter avec toi, mais que je te revois en quoi ici? Avec ta tenue des infirmières. C'est même moi qui ai merdé en venant parler avec une commère comme toi.
Je l'ai pris en premier. Lâche cette télécommande. Cette maison est la mienne. Je suis arrivée ici la première. Alors donnez-moi la télécommande. Et je porte son bébé. C'est à moi qu'elle revient. Nous portons toute son bébé. Comment être sûre? Laisse cette télécommande. Je lâche ça. Vous allez voir. Laisse cette télécommande. Bébé. Hé. Mon amour. Mon amour. Bébé. Comment est ta journée? J'ai dit de me laisser tranquille. Vous avez vu? Des idiotes. C'est à cause de vous. Vous l'avez toute causée. Vous. Restez ici. Restez ici. Restez ici. Emma. Espèce de folle. Tu m'as poussée. Bébé. Tu ne vas pas seule avec toi. Oh, tu as osé me faire ça, n'est-ce pas? J'arrive pour toi. Oh, bébé. Oh, mon bébé. Ah. Allons-nous coucher. Mon amour. N'écoute personne d'entre elles. Hmm? Regarde-moi. Tu sais combien je t'aime, bébé. Je t'aime. Je t'aime plus. Je l'aime encore plus. Je l'aime plus. Je l'aime plus que toi. Je l'aime plus. Bébé. Bébé. Qu'est-ce que... Bébé. Arrêtez, poussez-vous. Laissez-le. Je vous avais causé. Poussez-vous. Laissez-le tranquille. Qu'est-ce que vous n'allez pas le tuer? Vous n'allez pas le tuer. Tu ne vas pas le tuer. Bébé, il faut le laisser. Je t'en prie. Réveille-toi, bébé. Mon amour. Bébé. Bébé. Laissez-le tranquille. Bébé. Laissez-le tranquille. Bébé. Mon amour. Bébé. Bébé. Bébé, lève-toi. S'il te plaît. Laissez-le haut. Bébé. Jésus. 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 C'est un rêve. Allô, docteur. Allô, madame Sophia, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour à vous. Les résultats de votre examen sont arrivés. Il s'avère que vous êtes enceinte. Quoi? Oui. Vous pouvez passer au bureau, récupérer vos résultats des tests. Et félicitations. Merci, docteur. Et félicitations, ma chère. À plus tard. Je suis enceinte. Oui. Ah! Je suis enceinte. Oh mon Dieu, Tony doit le savoir. Oh mon Dieu, je suis enfin enceinte. Ouais, je suis enceinte. Je suis enceinte, je suis enceinte. Hey baby. Bébé? Mais quelle surprise! T'as l'air si heureuse. T'as gagné au loto ou quoi? Quelque chose de mieux. Qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte. Quoi? Que veux-tu dire? Je comprends pas. T'es enceinte? Bébé. Bébé en chemin. Nous attendons un bébé? Mm-hmm. Nous attendons! T'es sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Oh mon Dieu! Mm-hmm. Oh! Six ans. Ouais, bébé, finalement. Finalement. Mmh. Ouais, qui est-ce? C'est Elisabeth, monsieur. Oh, d'accord, entre. C'est ma secrétaire. Oh non. Non. Bébé, ça va? Oh mon Dieu. Elle est enceinte. Bébé? Elle est enceinte. Oui, elle est enceinte. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu me faire ça? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment as-tu... Je suis désolée si j'ai fait irruption au milieu de quelque chose. Je suis juste venue demander un congé de maternité. C'est tout. Parce que mon mari insiste pour que je prenne un congé. Je suis désolée. Quand... Congé de maternité? Vous... Vous êtes mariée? Oui, je suis mariée.
finalement. Bien, vous êtes mariée. Bébé, prenez votre temps. 3 mois, 6 mois, 1 an. Prenez votre temps. Elisabeth, je suis désolée. Tu peux m'attendre dehors, je te ferai bien. Ok? Vous êtes mariée. Oui, elle est mariée. Tu vas bien? Tu m'as frappée. Désolée, bébé. C'est une longue histoire. Mais tout va bien. Elle est mariée. Elle est mariée. Elle est enceinte. Tout va bien? Ça va, tout va bien. Tout va bien. T'es sûre que tout va bien? Tout va bien. Je vais devoir m'embrasser pour que je le croie. Tout va tout bien. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.